Il est 8h15 quand les pompiers sont prévenus d'un accident dans l'entreprise Elring-Klinger. Un jeune homme est écrasé sous une presse, il décédera après l'arrivée des secours. Âgé de 20 ans, il travaillait en intérim depuis un an pour ce sous-traitant de l'industrie automobile. Les circonstances du drame restent floues. La victime avait pris son poste ce matin vers 5h sur une presse manuelle dans l'atelier d'écran thermique. Immédiatement après l'accident, l'activité est interrompue dans cette aile de l'usine pour laisser place à l'enquête. Dès ce matin, des équipes de gendarmerie et de l'inspection du travail réalisent les premières constatations. Une cellule psychologique a été mise en place avec le CHU de Limoges pour soutenir les quelques 270 salariés du site très affectés par cet accident du travail.